immonde, chéri. Dis à ton voisin que tu l'aimes. Oh, chorami molikoi, achorami mojeramelloi, sevaromi moltei, malogelo. E soferami monra infilimi, ana uche lora bana surami, le infimuna omina idalo. Se farò mina eroi, sarà mi monra, am sora, e sora mi molle vallo, al solo malagero, e ne sarai figli amaro, antani tu minato, e ne salne la Sera mora ina amurni, sera mi mora banalimu, sera mi mora bansalo, ne flumi ade matalimu, en suru mi ma efuni, ama sera mi manola, firma do mi la lola. Asura mi morevo e c'era me e lo manca dove e nessuno mi nalò e nessuno mi nalò del fuoco in arami dove sura mi manò Asura mi madigaro, asura mi mora potem, en suru mi malofe, sero mi nole, om sabara mi mora, ikra mi valaso, sura mi mora panase, en aligo, amma leima, lole ifan,
La 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 la. Bonjour à tout le monde, bonne arrivée. La la la. S'il vous plaît, partageons cette vidéo au maximum parce que les choses sur lesquelles on va parler ce matin, c'est très important. Donc partageons la vidéo au maximum. Dans les groupes, s'il vous plaît, partout où nous pouvons faire arriver cette vidéo, faisons-le. Donc, s'il te plaît, partage la vidéo. Nous sommes en fin d'année. Dieu doit te bénir. Dieu doit multiplier tes ressources. Nous prions pour la chose. Soit ton partage et soit mon partage. Je veux juste prophétiser sur ta vie. S'il te plaît, partage cette vidéo au maximum. Et il y a un problème très sérieux que nous voulons aborder ce matin. Et c'est un problème que beaucoup d'enfants de Dieu ont déjà rencontré. Donc partageons cette vidéo, s'il vous plaît, au maximum. Pendant que nos bien-aimés se connectent, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit renouvelée dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en adoration, connectons-nous, s'il vous plaît, et partageons la vidéo. Apprends-moi à compter. Seigneur, merci. Aide-nous à compter les années de nos vies. Balita wa anna moras. Pitorami wa innas kravidan tauda la zanita wa anna borami falista ugaris. Seigneur, aide-moi à compter les années de ma vie. Merci parce que tu es vivant. Sois béni. Partage la vidéo, s'il te plaît. Partage la vidéo, partage la vidéo. Partage la vidéo, partage la vidéo. Partage la vidéo, s'il te plaît. Partageons cette vidéo, s'il vous plaît. C'est un moment sacré. Oh, que le temps passe vite. Les années passent trop vite. À peine nous sommes nés que déjà nous sommes morts. Ma petite soeur a l'habitude de dire, Nda Dunia, toi balé. Voici alors la vie, mais où sont les jours? Il n'y a pas les jours. Passe trop vite. Passe trop vite. Semaine passe trop vite. Apprenons à compter. Le roi David a dit à Dieu, apprends-moi à compter les jours de ma vie. Ma vie est comme une fleur qui est là et qui disparaît. Qui est là et qui disparaît. Ma vie est comme une fleur qui est là aujourd'hui et disparaît demain. Ta vie est comme une fleur belle aujourd'hui. Mais qui se fane demain. Apprends-nous à compter. Seigneur, apprends-nous à compter les jours de nos vies. Apprends-nous à compter les jours de nos vies. Bien-aimé, si tu n'apprends pas à compter les jours de ta vie et tu n'as pas compris que tu es pèlerin sur cette terre et que ta vie a un commencement et une fin, et qu'il y a des choses qu'il faut faire. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce que c'est que vivre. Tu n'as pas compris la vie. Tu n'as rien compris de la vie. Rien du tout. Si tu n'as pas encore compris qu'un jour, tu t'en iras. Vous savez, parfois, nous assistons aux obsèques des autres personnes,
Mais on ne pense pas qu'un jour ça sera nous. Où sont tous nos amis? Où sont passés nos frères? Qui n'a jamais perdu un membre de sa famille, un frère ou une soeur? Où sont passés nos parents? Encore nous. Je pense à mon père qui est mort depuis 97. Où sont passés nos frères? Goramiwa Inas Pramiradao. Bien-aimé, qui ne pleure pas un membre de sa famille? Un jour, c'est nous que l'on pleurera. Seigneur, merci pour ce moment extraordinaire. Que ton nom soit béni au nom souverain de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tous nos amis qui sont connectés, que ta main et ta force leur soient données abondamment et que ta gloire soit révélée du haut des cieux. Béni sois-tu parce que tu es bon. À toi la louange et la gloire au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, que Dieu vous bénisse encore dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur Jésus, il faut dire que nous avons une très grande semaine, cette semaine. Hein, avant de commencer, je voudrais d'abord faire cette annonce importante. C'est une semaine, une très grande semaine. C'est une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine extraordinaire, une semaine de puissance et de délivrance, une semaine où Dieu va ouvrir les écluses des cieux devant ceux qui croient en son nom. Nous sommes en fin d'année. N'oubliez pas que la manière dont tu achèves une année détermine comment tu vivras dans l'année qui suivra. Donc, nous allons passer une semaine extraordinaire. Nous allons commencer avec les habitants de Yaoundé. Ce dimanche, à partir de 7h30 à la Bire, nous avons un culte extraordinaire. Et je voudrais t'exhorter, bien-aimé, à ne pas manquer à ce grand culte. Vous savez, à chaque saison, Dieu fait les choses comme il veut. Et cette saison, si Dieu a décidé de te bénir, ne reste pas à la maison. Ne laisse pas tes enfants à la maison. S'il te plaît, si tu as joué avec ta foi, finis cette année bien. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc peut-être tu t'es amusé au début de cette année, au milieu de cette année. Dieu peut encore te bénir. Dieu peut t'aider à racheter le temps que tu as perdu tout au long de l'année 2021. Donc ne reste pas à la maison. Si tu as été absentéiste dans la maison de ton Dieu, tu n'as pas été fidèle à ton engagement, à le servir ou à monter dans sa maison, David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin et qui est dans la joie lorsqu'on lui dit, allons dans la maison de l'Éternel? Parfois pour des choses de néant, pour des choses inutiles. En réalité, nous abandonnons la présence de Dieu pour se retrouver dans des endroits où nous ne devrions même pas être en tant qu'enfants de Dieu. Mais Dieu peut pardonner encore cette négligence. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc le Seigneur veut encore effacer tes péchés de cette année. Il veut effacer la manière négligente avec laquelle tu as pris ces choses ou que tu l'as pris lui-même. Donc tu peux te rattraper devant Dieu. N'oublie jamais, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je préfère mal commencer et bien finir que de bien commencer pour mal finir. Dieu te donne encore une grâce, une possibilité. S'il te plaît, ne manque à aucun de nos programmes si tu es dans la ville de Yaoundé. Je t'en prie, ce dimanche, ne manque sous aucun prétexte. Vous savez, bien-aimés, dans une année, nous portons ce qui est bon et nous portons ce qui est mauvais. Nous portons ce qui est positif et nous portons ce qui est négatif. Nous portons ce qui est bénéfique et nous portons aussi ce qui est une malédiction pour nous. Donc, viens pendant ce culte, même si je ne te touche pas, juste par l'alliance de la révélation de la parole que je te donne, en foulant juste le sol de la Bire à Yaoundé, en Kouaban, je te dis la vérité, le Seigneur te déchargera de tous tes fardeaux. Parce que je ne pense pas qu'il soit sage pour toi de négliger Dieu en cette fin d'année pour te retrouver en train de revivre un éternel recommencement dans ta vie en 2022. Et si tu n'es pas fatigué de tels problèmes, et si tu n'es pas fatigué de cette situation, et si tu n'es pas fatigué de voir ta famille toute entière en train de tourner, tournoyer en rond, je pense qu'il est temps que tu prennes une bonne décision. Et cette décision t'incombe, elle n'incombe pas à Dieu. Dieu t'attend dans sa maison. De ce dimanche, prends tout le monde, ne laisse personne. Dépense, investis. Souviens-toi que lorsque tu étais païen, tu voyageais, allais dans les villages, au fin fond des villages, même qu'on ne sait pas dans quel pays c'est. Pourtant, au Cameroun. Tu partais loin à Yoko là-bas, en brousse là-bas à Yokaduma, dans les brousses de Yokaduma, avec ta femme ou avec tes enfants, où tu allais seul,
trouver un vieux marabout parce qu'on t'a dit qu'il est là-bas. Mais dans les choses de Dieu, on dit, ah non, c'est loin. Et c'est comme ça que le diable a pris au piège beaucoup d'enfants de Dieu. Oh non, ça va me coûter cher. Pourtant, tu oublies combien tu as investi chez les marabouts. Tu oublies combien tu as investi dans les déplacements pour aller voir des marabouts qui eux-mêmes étaient dans des problèmes, hein, et qui t'ont trompé. Donc aujourd'hui, la main de Dieu t'est tendue. La main de Dieu t'est tendue ce dimanche 7h30 à la Bire à Yaoundé, ne manque pas. Nous aurons un service spécial que Dieu m'a révélé dimanche passé. Je vais prier sur l'eau, tu vas laver tes mains et tu vas laver ta face. Tout le monde va laver les mains et laver la face en présence de Dieu ce matin. Si tu as raté ce service prophétique et merveilleux dimanche passé, s'il te plaît, fais-le. Vous savez, la Bible dit que « Wa anna udali filis manta udali galus ». La Bible dit qu'à un certain moment, Jésus-Christ, pendant qu'il était avec les 12 apôtres, il s'est ceint les reins. Il a enlevé son vêtement, il s'est ceint les reins. Imaginons-vous que Jésus-Christ était un pasteur dans l'église aujourd'hui. J'arrive, j'enlève ma chemise, je suis torse nu, je me ceint les reins et je commence à laver les pieds des gens à l'église. Les gens vont dire que voilà, il apporte l'impudicité. Parce qu'on ne comprend pas l'esprit de la prophétie. Vous comprenez? Donc, Jésus l'a fait, il a lavé les pieds de ses apôtres, de ses disciples. Et il est arrivé sur Pierre. Pierre lui a dit, non Seigneur, tu ne me laves pas les pieds, tu es mon maître. Comment est-ce que tu peux me laver les pieds? Et Jésus lui dit, non, il faut que je lave tes pieds. Pierre a dit, non, on appelle ça les injonctions prophétiques. Les actes prophétiques, c'est souvent inspiré par le Saint-Esprit. C'est des actions spontanées, inspirées par l'Esprit de Dieu pour résoudre un problème spontané, urgent dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, le lavage des mains, c'est quoi? Laissez-moi vous expliquer d'abord le lavage des pieds des apôtres. Jésus-Christ lave leurs pieds pourquoi? Premièrement, en cela, il y a un enseignement. Le premier enseignement, c'est l'humilité. Ça veut dire que nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Ça, c'est très important. Ça, c'est la portée du didascaleo, vous voyez. Donc, didascaleo, laissez-moi employer le mot grec. C'est la portée de l'enseignement que Jésus nous apporte, l'humilité. On doit se laver les pieds les uns les autres. C'est important. Personne, même s'il pense être grand, ne doit se prévaloir d'être grand au-dessus de ses bien-aimés. Il doit plutôt se rabaisser pour laver les pieds, même de ceux qui pensent être inférieurs à lui, afin que Dieu l'élève. Ça, c'était la première signification. La deuxième signification, c'est le symbole prophétique qui est attaché à cet acte. Quel était ce symbole prophétique? Les apôtres avaient reçu une mission. Et cette mission était d'aller par toutes les nations en prêchant la bonne nouvelle de l'évangile. Et donc, ils étaient des pèlerins. Et en lavant leurs pieds, Jésus-Christ a assuré l'avenir de leur mission en tant qu'apôtre de Jésus-Christ vers les nations. Donc, ce lavement de pieds était une grande alliance selon laquelle Dieu les accompagnerait partout où ils iraient. Une alliance selon laquelle tout endroit que leurs talons fouleraient, le Seigneur leur donnerait cet endroit en possession. Voilà pourquoi les apôtres ont autant marqué leur génération et notre génération. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, partout où ils sont passés, ils ont laissé des empreintes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait lavé leurs pieds. Maintenant, vous verrez que la Bible dira dans le dernier chapitre du livre de Deutéronome, juste avant d'entrer dans Josué, que Josué faisait les mêmes choses que Moïse faisait. Et celui qui a écrit la Bible explique que Josué faisait les mêmes choses comme Moïse. Le peuple respectait Josué autant que Moïse. Et Josué opérait dans les mêmes dimensions que Moïse. La Bible dit pourquoi? Parce que Moïse avait posé sa main sur Josué. Vous voyez? Donc, il y a un mystère dans le transfert de l'onction, le transfert de grâce, le transfert ministériel, la provision ministérielle. Donc, Jésus, en lavant leurs pieds, leur donnait autorité sur tous les territoires où ils pouvaient arriver. C'est pour cela qu'aucune principauté, aucune autorité, aucune domination, aucun prince, la puissance des ténèbres ne pouvait résister aux apôtres. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait lavé leurs pieds. Maintenant, vous allez voir une chose. Lorsque l'apôtre Paul va donner sa vie au Seigneur, quand le Seigneur va le croiser, lui, il n'aura pas un lavement de pieds, mais un lavement d'yeux. Mais il y aura un lavement dans tous les cas. Jésus-Christ va laver ses yeux plutôt. Vous voyez? Jésus lavera ses yeux. Pourquoi? Parce que, en fait, l'apôtre Paul était appelé, pas pour être un prophète Rohé, mais pour être un prophète Hosé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul expliquera quelquefois qu'il a été arpagenta en grec. Il a été arpagenta par Dieu pour aller au troisième ciel, rencontrer Dieu, voyez. Donc il y a eu un lavement, il y a eu un contact physique. Il y a eu quelque chose que Jésus-Christ a fait. On a mis les écailles, on a lavé les écailles, sont tombées de ses yeux. Ça, c'était un acte spirituel qui avait une répercussion spirituelle, un contact physique avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est important, bien-aimé. Le Seigneur m'a dit dimanche passé en plein culte, lave leurs mains. Parce qu'il y en a qui travaillent comme des éléphants. Ils travaillent, mais ils ont la moisson des fourmis.
Mais la moisson de fourmis, parfois, c'est compliqué. Il y a des gens qui travaillent. Des gens qui ne sont pas pauvres parce qu'ils sont paresseux. Il y en a qui sont pauvres parce qu'ils sont paresseux, ils ne travaillent pas. Mais il y a des grands travailleurs aussi dehors, dans le peuple de Dieu. Il y a des gens qui sortent chez eux peut-être à 5h, 4h et qui rentrent le soir vers 23h, minuit. Mais qui, cependant, à la fin du mois, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. N'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école, n'arrivent pas à payer le loyer, n'arrivent pas à résoudre tel ou tel problème, n'arrivent pas à s'acheter un terrain pour se construire une maison. Alors Dieu m'a appelé pour apporter la délivrance à son peuple. Donc c'est important de le savoir. C'est ça qui a le service de lavement des mains. C'est ça, laver les mains pour que Dieu bénisse le fruit de ton travail. La Bible dit je pense que Ésaïe 8, 10 ou 18, « Dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. » Donc c'est ça, bien-aimé, Dieu doit te faire jouir du fruit de ton travail. C'est pour ça que nous lavons nos mains. Toute malédiction sur ma main doit être brisée. Toute malédiction, imprécation, tout filet de Satan qui a pris mes mains, attaché mes mains, on a sacrifié mes mains. Dieu va libérer nos mains, va libérer notre travail et nous allons jouir du fruit de notre travail. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le lavement de la face. La face qui représente l'avenir, le présent, la destinée d'une personne. Ouais, c'est la destinée d'une personne. Il y a des personnes dont la destinée a échoué complètement. C'est-à-dire que les événements de ta vie, tu en as perdu le contrôle, tu ne comprends plus rien de tout ce qui arrive à ta vie. Donc, le lavement de la face fera que tu sois libéré tout filet de l'oiseleur. La Bible dit, celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, tout filet, tout voile qu'on a mis sur toi. Il y a des gens qui ont des voiles maléfiques dans leur vie, en sorte qu'ils ressentent même ça physiquement. Ça, je vous dis la vérité. Si vous me suivez, vous avez vécu une expérience comme celle-là, ou bien vous êtes en train de vivre une expérience comme celle-là, vous pouvez appeler pour confirmer, ou bien écrire, pour confirmer. Il y a des gens qui sentent comme des toiles d'araignée sur leur visage. C'est-à-dire que tellement on a recouvert leur visage. Le visage, c'est la gloire de ta vie. Il faut savoir cela. Le visage, la gloire de ta vie, la gloire de ta destinée. Donc le Seigneur veut laver la honte de nos vies et nous séparer de toutes ces malédictions-là, ces bêtises-là qui sont venues parfois à cause de l'appartenance familiale, à cause de la maison de mon père ou la maison de ma mère. Donc c'est un peu cela. De cet acte, tu dois te rassurer que même ton bébé nourrisson puisse avoir cela. C'est-à-dire que de manière à l'avance, ouais, c'est un prolepse, en fait, un acte dans le domaine du prolepse. Ça veut dire qu'avant que ton enfant ne grandisse, on a déjà vaincu les malédictions de la main et les malédictions du visage. Donc voilà pourquoi ce dimanche, ne laisse pas tes enfants à la maison. Prends tes enfants, prends toute ta famille. J'invite tout Yaoundé du côté de la Bire en Kouaban. Quand vous arrivez au Carrefour Kouaban, demandez simplement qu'on vous amène à la Bire. Et le soir, à partir de 16h, les habitants de Berthois sont bénis. Nous avons le culte des plaintes, le dernier culte des plaintes de l'année 2021. Bien-aimé, tu es à Berthois, tu es à Yokadouma, tu es à Kololinga. Hein, à Kololinga. C'est à Kololinga de ce côté. Je ne sais pas. Donc, dans tous les cas, tous les villages environnants, s'il te plaît, ne manque pas. Nous aurons un service de lavement de main et de la face. C'est le seul service de lavement de la main et de la face que nous aurons cette année avec vous. Donc, bien-aimé, les habitants de Berthois, passez l'annonce autour de vous dimanche 16h à Beaumont, sur la route de Bélabo. À partir de 16h, ne manque pas. Les bus seront disponibles pour porter gratuitement les gens, les amener et les ramener aussi après le culte. Donc, soit de ma part, soit de notre part, s'il te plaît. Tous ceux qui souffrent des sorcelleries, ceux dont dans les familles, les sorciers ont attaché les mains et les visages, tu ne vas pas te marier, tu ne seras jamais quelqu'un, tes affaires ne prospéreront pas, mais si tu fais le business, tu vas échouer. Et depuis, tu te rends compte que ce qu'on a dit là est en train d'arriver. Si tu manques le culte de cette fin d'année, mon ami, ne te plains pas. Ne te plains pas contre moi. Parce que si un homme ne t'aime pas, il ne peut pas te déclarer des secrets comme ceux que je suis en train de partager avec toi. Donc, je ne dois pas t'aimer plus que tu ne t'aimes toi-même. Tu es informé, tout ce que tu fais à Yaoundé, 7h30 à la Bire et à Berthois, à partir de 16h à Beaumont. Donc, Dieu va te délivrer. Quelles que soient les attaques de Satan contre ta vie, et nous viendrons avec un vent de délivrance. Ceux qui sont malades, tu dois entrer en 2022 étant en santé. Que Dieu te bénisse, quel que soit ton problème. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Laisse Dieu prendre soin de toi. Tout ce que Dieu te demande, prends ton taxi ou ta voiture. Viens, Bire, 7h30, Yaoundé et Beaumont, Berthois, 16h, dimanche. Ce dimanche-ci. Pendant que tu le fais, le Seigneur te bénira. C'est dimanche le 19. Ce dimanche 19 décembre. Donc Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ et qu'une grâce extraordinaire repose sur vous. Maintenant, bien aimé, écoutez. Je pense que j'en ai fini. Et le 31 décembre, c'est l'Exodus Night. La nuit de l'Exode à Yaoundé. Donc, il y aura la nuit de l'Exode à Douala, il y en aura à Berthois, il y en aura en Gaoundéré et dans nos principales églises. Mais cependant, je t'exhorte, bien aimé, je t'exhorte
Et tu sais que c'est un prophète qui te parle. Je t'exhorte par l'Éternel qui m'a appelé. Soit le 31 de ça à Yaoundé. Que ceux qui sont à Douala qui feront le 31 là-bas, l'Exodus Night là-bas, soit ceux qui n'ont pas les moyens. Mais tant que tu as ta possibilité, mon ami, c'est la transition entre 2021 et 2022. Je répète, c'est la transition prophétique. Il y a un enjeu spirituel majeur. C'est la transition entre 2021 et 2022. Donc cette nuit va tout déterminer dans ta vie. Cette nuit, cette dernière nuit et ce premier jour de 2021 et 2022, mon ami, l'endroit où tu te retrouveras ce jour va influencer ton année. Je dis encore, l'endroit où tu vas te retrouver, la nuit du 31, c'est l'esprit de cet endroit qui va prendre le contrôle de ton année 2022. Donc si 2021, 31 décembre, tu es dans une boîte de nuit, ta vie sera dans la boîte pendant toute l'année. Tu ne vas pas sortir. Ta vie, ça sera comme congolo. Tu sais, quand on jette une boîte vide sur le goudron, bingling, bruit dans rien. Ta vie sera dans une boîte. Si tu passes le 31 dans un hôtel, mon ami, ta vie sera une vie d'hôtel. Donc, faut faire attention. Les gens ne comprennent pas souvent cela. C'est la loi de la topographie spirituelle. Le lieu, le dernier lieu que tu, où tu seras pour cette année, c'est ce que 2022 retiendra de toi. C'est le cliché que 2022 retiendra de toi. Et c'est ça qui déterminera toute ton année. Les gens ne connaissent pas cela. C'est très dangereux. Il faut passer la dernière nuit de cette année dans la présence de Dieu. Mon ami, dans la maison de Dieu. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et les gens disent, oh papa, ma vie est bloquée, oh j'arrive pas à me marier. Oh vraiment papa, c'est mauvais sur moi. Les gens ne me regardent pas, papa, le travail est dur, je voulais me marier, je n'arrive pas à travailler, je suis le seul fils à mon père, à ma mère. Mon ami, le 31 décembre 2020, tu étais où? Tu étais où? Réponds à la question. Tu étais où? C'est ça le problème. Le lieu où tu passes la dernière nuit de ton année, c'est ce lieu qui prend contrôle de ta vie. N'oubliez jamais ça. Tu étais chez le marabout, tu as passé. Je te pose encore une question. 31 décembre 2020. Mon ami, tu étais où? Tu étais où? Réponds à la question. Répondez en commentaire. Dis la vérité. Tu étais en boîte, j'étais en boîte. Tu étais dans un bar, j'étais dans un bar. Dans un bistrot, c'est dans un bistrot. Dans un hôtel, c'est dans un hôtel. Bien-aimé, réponds-moi. Dis-moi la vérité en commentaire. N'aie pas honte, c'est pour ta délivrance. Pendant que tu confesses, le Seigneur te libère. Pendant que tu confesses, Dieu te libère. Réponds-toi. Dis-moi où tu étais. 31 décembre, la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021. Where were you? You been à Wusai? Tu étais où? Ouais. Donc, c'est ça. Donc, après avoir parlé, tu vas prendre la décision. C'est ta vie. C'est ta vie. Tu prends la décision. Donc, j'exhorte toutes les églises Réma au Cameroun et à l'extérieur de venir fêter ce jour avec nous. Ici à Yaoundé, à Labir, et Dieu te bénira. Et j'ai dit que ce soit à Bertoua, que ce soit à Yaoundé, à Douala, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas le transport, on va financer. On va financer. Ah ah, Lord Njamba dit qu'elle était à la maison. Ah ah. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, au nom souverain Jésus. Donc on va donner, je vais financer demi-tarif pour permettre à tout le monde d'être là, mon ami. Que soit la puissance de ce démon qui a démonisé ta vie, au nom de Jésus, il va te libérer. Tu ne peux pas entrer en 2022 avec les mêmes erreurs, les mêmes problèmes, les mêmes larmes, les mêmes pleurs, les mêmes douleurs, les mêmes blessures, les mêmes déceptions, les mêmes malédictions qu'en 2021. Ce n'est pas possible. C'est que tu n'as pas passé la nuit avec moi dans la présence de mon Dieu. Je te dis la vérité. Donc, prépare-toi sérieusement pour cela. Prépare ton voyage. Dis que cette année sera différente dans ma vie. Et comme tu le fais, le Seigneur te bénira. Que sa main soit sur toi au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà, tu es béni dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Maintenant, laisse-moi te parler de ceci. Je veux te parler de ceci. Prends ta Bible avec moi. Lorsque les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, qui n'a jamais eu ce sentiment? Bien-aimé, il y a les gens qui disent que le Seigneur veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. C'est la vérité. Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Mais parfois, les promesses de Dieu échouent. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, c'est vrai. Mais je veux te parler de quelque chose qui ronge tous les enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu a déjà fait face à ça.
qui ne s'est jamais plaint. Seigneur, tu avais dit telle chose, ce n'est pas arrivé. La date est même déjà passée. Ce n'est plus arrivé. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Pourquoi est-ce que ce n'est pas arrivé? Nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, versets 27 et 28. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que Dieu qui ne manque pas, Dieu qui n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils pour mentir, peut dire quelque chose à quelqu'un? Il promet quelque chose à quelqu'un, la personne ne vit pas la chose là. Comment? Comment comprendre ça? Comment expliquer ça? Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont l'impression que les promesses de leur père, leur papa, ne s'accomplissent pas dans leur vie? Laisse-moi te montrer quelque chose dans la Bible. Et tu comprendras que ça ne va pas commencer avec toi, mon ami. Et ça ne va pas finir avec toi. Vous savez, la chrétienté, c'est la maturité. Aimer le livre aussi, la Bible. C'est même devenu la table aujourd'hui. Donc, attachons-nous et comprenons les sciences du royaume de Dieu. Ça va t'aider. Au lieu de te connecter sur Facebook pour regarder les inutilités, les futilités, mon ami, connecte-toi pour des directs comme ceux-ci qui peuvent changer ta vie à jamais. La connaissance, c'est ça qui fait avancer dans le royaume de Jésus. C'est la connaissance, la connaissance. Maintenant, regardez. Quand vous lisez dans Matthieu 19, versets 27 et 28, la Bible dit ceci. « Tote apokriteis, ho petros eipen auto » Répondant, Pierre lui dit, « Idou, voici, hemeis afekamen panta, nous avons tout abandonné. Kai e kolou tesamen soi, et nous t'avons suivi. Ti ara estai hemin » Qu'en sera-t-il de nous? Ah non, 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 j'aime Pierre. J'aime l'apôtre Pierre. Je préfère quelqu'un auprès de moi qui est capable de me dire que papa, ton nez est épaté comme la cheminée. Pourquoi? Pourquoi ton nez est épaté comme ça? Hein? Regarde comment ton nez est épaté. Oh papa, regarde, pourquoi tes oreilles sont comme pour les lapins? Et que je lui explique que non, vraiment, tu sais, oh je suis né comme ça, ou bien peut-être j'ai eu un accident. Ou, en fait, quelqu'un qui me dise la vérité. Hein? Mais si tu me regardes et tu regardes dans ma narine, il y a la mauve. Et que tu ne peux pas me dire que papa, nettoie ton nez. Mon ami, je préfère celui qui m'affronte en me disant la vérité à celui qui dit oui, 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 amen, alléluia. Il regarde, il ne peut pas me dire que attention, voici tes choses. L'apôtre Pierre était quelqu'un de bien. Et laissez-moi vous montrer une chose. En réalité, ce n'est pas Judas Iscariot qui devait être séduit par le diable. C'est l'apôtre Pierre qui devait mourir pendu. Et si vous saviez ça, c'est Pierre qui devait mourir pendu. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre, Satan ne travaille plus avec Pierre? Pourquoi la collaboration? Parce que le premier collaborateur du diable parmi les 12 apôtres, c'était l'apôtre Pierre. Ce n'était pas Judas Iscariot. Non, c'était Pierre d'abord. C'est l'apôtre Pierre qui appelle d'abord Jésus à côté. Lui dit à Dieu, ne plaise, tu ne peux pas mourir sur la croix. La mission que tu es venu faire là, tu vas échouer. Tu ne vas pas l'accomplir. Et qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Il dit, arrière de moi Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il dit, arrière de moi Satan. Il dit à Pierre, ah Pierre, ok d'accord, ça va alors. Mais Jésus l'appelle Satan. Mais est-ce que c'est à Pierre que Jésus parlait? Est-ce que c'est de Pierre qu'il parlait? Est-ce que c'est le nom de Pierre lorsqu'il disait Satan? Non, Jésus parlait à l'esprit, à Satan qui avait pris possession des pensées de Pierre, qui manipulait, à Pierre qui manipulait, à Satan qui manipulait l'esprit de l'apôtre Pierre. C'était ça en fait le problème. Mais pourquoi est-ce que la collaboration entre Pierre et Satan s'est achevée? Tout simplement parce que Pierre bavardait trop. Il disait tout à Jésus. Tout ce qu'il voyait, il parlait. Et Satan s'est rendu compte qu'il ne peut pas avoir de secret avec Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre disait tout à son maître. Voyez, c'est important d'avoir les gens autour de nous qui peuvent tout nous dire, nous poser des vrais problèmes, nous poser des vraies questions, qui peuvent nous dire ce qu'ils pensent de nous. C'est important. C'est mieux d'être entouré de gens qui te disent la vérité, qui peuvent te faire des reproches, te dire que ici c'est pas bien, non tu n'as pas bien fait, pourquoi tu as fait comme ça, tu as fait comme ça, ça m'a énervé. Qu'est-ce d'être entouré de personnes qui te disent oui, qui sourient avec toi, mais qui sont blessés, gardent leurs blessures dans leur cœur, qui mimiquent, qui sont incapables de te parler. Non, c'est important. L'apôtre Pierre dit ceci à Jésus. La Bible dit, tote apokriteis. Lui répondant, ho petros eipen auto. Pierre lui dit, idou voici, hemeis afekamen panta, nous avons tout abandonné, nous avons tout quitté. On a tout laissé partir. Afekamen, laissé partir, on a tout libéré. On s'est séparé de tout. Il dit, kai, ekolutesamen soi, et nous t'avons suivi. Kai, ekolutesamen soi, et nous t'avons suivi. Hein? Seigneur, vraiment, regarde, on a tout abandonné à cause de toi. Et nous t'avons suivi. Hein? Et dit-il, ara estai hemin, qu'en sera-t-il de nous, notre avenir donc, c'est quoi? Nous, on va gagner quoi? Aucun apôtre n'a fait ça avec Jésus.
Pourquoi le diable finalement a collaboré avec Judas Iscariot? Parce que tout simplement, Judas Iscariot s'est rendu compte qu'il était cachotier. Les personnes cachotières sont dangereuses, c'est des meurtriers. Quand tu es entouré des gens qui gardent, qui accumulent, qui ne peuvent jamais parler, qui sourient, mais il est mécontent contre toi, mon ami, tu es mal entouré. Les personnes cachotières, c'est l'esprit de Judas Iscariot en elle. Vaut mieux avoir des gens comme Pierre. Il dit même des folies. Tu te fâches même, mais vous arrangez après. Je préfère que tu me dises la vérité, mais si je me fâche après, on s'arrange. Parce que ça veut dire que si tu vois ma mort, tu vas m'avertir. Mais Judas Iscariot, non. C'est un tombeau. Et Satan s'est dit, ah, celui-ci peut garder nos secrets. Et c'est ce qui est arrivé. C'est pour ça que Judas Iscariot est mort. Mais ce n'est pas lui au début. La prophétie parlant de la trahison de Jésus n'avait pas désigné quelqu'un. Ça n'avait pas le nom de Judas ou de Barthélemy ou de Matthieu ou bien de Pierre ou bien, je ne sais pas, de Thomas. Non. C'était juste qu'il y aura une traite. Maintenant, c'est le caractère de chacun qui devait le prédisposer à devenir ce traître. Et Judas Iscariot, parce qu'il volait déjà, il ne disait pas, il prenait l'argent en cachette, comme dans nos églises aujourd'hui, on a dans le département des finances des voleurs, des cousins lointains ou proches de Judas Iscariot, des voleurs de dîmes, de voleurs d'offrandes dans la maison de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu, ils mettent la main dans le trésor de mon Seigneur et ils volent. Par l'esprit de Judas Iscariot, le sort de Judas Iscariot sera votre sort. Quiconque a touché 5 francs dans la maison de Dieu a volé. Sache que la malédiction est sur toi, mon ami, tu es fini. Le sort de Judas Iscariot, c'est le sort des voleurs de la maison de Dieu. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que après, Satan se rend compte que Judas Iscariot lui fait ses choix en secret, la personne ne connaît. Il y a des gens, tu ne peux pas connaître sa pensée. Hein? Je préfère quelqu'un qui me dit tout son cœur, même s'il parle. Quand quelqu'un dit, vous raconte sa vie, vous parle d'elle-même, vous parle de son passé, etc., qui souffre. Mon ami, tu peux juger la personne, tu peux la condamner, mais devant Dieu, elle a gagné un point sur toi. Dieu ne la juge pas. Elle a trouvé grâce devant le Seigneur. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens vrais. Déjà, il te dit, voici ma vie comme ça. C'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Et ce genre de personnes, mon ami, c'est un don de Dieu. Dieu veille sur ces personnes et est jaloux de ces personnes-là. Dieu les garde, les protège. Mais il y a des gens qui sont des boîtes à Pandore de secrets. Plein de secrets. Il fait les choses, il fait, il ne te dit jamais. Il ne peut pas dire, il est incapable de dire la vérité à son partenaire, dire la vérité à son mari, dire la vérité à sa femme, dire la vérité à son patron, à son parent, à son enfant, etc. etc. Ouais. De l'apôtre Paul pose un problème de vie, un problème existentiel importantissime. L'apôtre Paul dit à Jésus-Christ que nous avons tout quitté, on te suit, nous on va gagner quoi dans cette affaire? Ça, si quelqu'un n'a pas de perspective cavalière dans l'avenir, quelqu'un ne connaît pas la valeur de sa vie et la valeur de son sacrifice, il ne peut pas poser cette question. Ça, c'est la question des personnes qui ont une vision. C'est des visionnaires qui peuvent poser cette question. Toi-même, tu dois te poser la question. Demande à Jésus, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné l'adultère, j'ai abandonné le mensonge, j'ai abandonné le vol, j'ai abandonné l'ivrognerie, les boîtes de nuit, je n'y vais plus. Seigneur, j'ai abandonné les marabouts à cause de toi. Me voici, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de... Même chose qui s'est passé avec Abraham. Lorsque Dieu apparaît à Abraham, parce que nous ne comprenons pas ces choses-là. Mon ami, tu as tout abandonné, c'est ton droit de dire à Dieu que tu vas gagner quoi dans l'affaire-ci. Abraham, lorsque Dieu approche d'Abraham, il lui dit que je vais te bénir. Et Abraham demande à Dieu que tu vas me donner quoi? Tu vas me donner quoi? Moi, je gagne quoi dans cette histoire? J'ai tout abandonné pour toi. Donc, l'apôtre Pierre pose une question à Jésus. Et j'ai dit, c'est une question osée. C'est une question d'une personne courageuse. C'est une très bonne question. Un homme vient dans ta vie, il entre dans ta vie. Vraiment, tu as tout sacrifié pour cet homme. Mon ami, pose-lui la question. Que vraiment, mon chéri, me voici. J'ai tout abandonné. J'ai tout laissé. Pour t'aimer, pour être avec toi, moi je vais gagner quoi dans l'affaire-ci? Tu es avec un ami, vraiment mon ami, voici j'ai tout laissé pour m'investir dans cette amitié. Je vais gagner quoi? Les enfants de Dieu sont bêtes aujourd'hui. Nous faisons les choses sans regarder ce que nous allons gagner dedans. C'est-à-dire que nous ne voyons pas le bénéfice. C'est-à-dire que nous nous engageons dans des affaires gratuites. Non, un homme qui veut aller loin, une femme qui veut aller loin, ne s'investit dans rien pour rien. Il se demande toujours où est-ce que ça va aboutir. L'affaire-ci va m'amener où? Qu'est-ce que je vais gagner? Ma vie va prendre un coup ou bien ma vie va être bénie? Hein? Est-ce que cette affaire va me bénir? Ou est-ce que ça sera une source de malédiction pour moi? Je vais où? Comme on prend l'envol là, on va atterrir où? Mais beaucoup prennent l'envol, ne se soucient même pas de où ils vont atterrir. Et c'est ça l'erreur de plusieurs personnes. Au début d'une relation, fais la perspective cavalière. Comment on commence là? La fin, c'est quoi? Avant que toi et moi, là, on fait les premiers pas là, je vais gagner quoi dedans? Je vais où? Ma vie, ma destinée sera bénie en quoi? Quel est le résultat? Quelle est la finalité? Pierre pose cette question qui est très importante.
Même avant de faire un business, il faut que tu sois capable de te demander que business, me voici avec toi, qu'est-ce qu'il en sera de mon avenir. Ça va aboutir ou passer si tu ne poses pas la question. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont investi et ont perdu leur investissement. Elles sont devenues plus pauvres qu'avant leur investissement. Pourquoi? Parce que les gens font les choses pour rien. Mon ami, tu ne dois rien faire pour rien. Tu dois faire ce que j'appelle la perspective cavalière spirituelle. Avant d'engager avec une personne, demande à la personne là on va où? Ça va finir où? Parce que si c'est pour que tu me laisses au carrefour bêta, vraiment tu prends ta route, je prends ma route, avant que les blessures n'aient commencé, avant que la saison des blessures ne soit arrivée. C'est ça qui est important. Vraiment, comme je suis ici là, je travaille dans votre société, patron, à la fin, moi je vais gagner quoi? Ma vie va gagner quoi? À la fin, le résultat c'est quoi pour moi? Après 5 ans, après 10 ans, est-ce que j'aurais avancé de 5 ans et de 10 ans? Ou est-ce que j'aurais reculé de 5 ans ou de 10 ans? C'est important. L'apôtre Pierre pose une question importante à Jésus. Il lui dit non, il faut être courageux. Et j'ai dit, j'ai besoin des hommes comme ça. Vous avez besoin des gens comme ça qui vous posent des vrais problèmes. Vraiment, on a tout abandonné, on a tout laissé. Notre avenir donc c'est quoi? Dis-nous. On a le travail. Pierre dit que moi j'étais un pêcheur professionnel. Et la majorité des apôtres de Jésus-Christ étaient des pêcheurs professionnels. Ils avaient leur barque. Ils avaient leur bateau, ils gagnaient bien leur vie. Ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur Jésus. Donc demande à Jésus, Seigneur, je vais gagner quoi? Ma part dans l'affaire-ci, mes soeurs se marient, mes frères travaillent, tout le monde réussit dans ma famille. Moi, j'ai tout laissé pour te suivre. On se moque de moi parce que je ne veux plus en boîte. Parce que les hommes, j'ai mis de côté. La vie de débauche, j'ai refusé. Parce que je n'en suis plus dans tel milieu. Je veux plus chez les marabouts. Maintenant, Seigneur, moi, je vais gagner quoi dedans? Mon avenir, c'est quoi? Puisque moi aussi, je suis un humain. Je dois aussi me soucier de mon avenir. Hein? Un enfant de Dieu sage doit se soucier de son demain. Parce que tu as des enfants, tu as une famille. Tu vas les laisser à qui? Tes enfants, après toi, vont faire comment? Bon, supposons que tu aies tout abandonné pour Jésus. Et tu as abandonné tout et ta famille t'a rejeté. Et tu as des enfants. Mon ami, si toi, le parent, on t'a rejeté avec tes enfants de ton vivant, après ta mort, tes enfants vivront comment au milieu de la famille? Ils seront comme des singletons, ils seront comme des éléments détachés, ils n'auront pas où se fixer, ils manqueront de fixation. Pourquoi, frère? Il faut se poser la question, prends le temps. En cette fin d'année, demande à Jésus, vraiment j'ai tout laissé, je vais gagner quoi? Tu me donnes quoi? Je vais gagner quoi? C'est ça. C'est important. Tu vas me donner quoi? Voici 2022 qui arrive. Je me suis engagé à te suivre, je me suis engagé à te servir. 2022 est en train d'arriver. Je vais gagner quoi? Ma part, c'est quoi? Les païens, bon c'est le marabout, ils ont leur pour eux. Ceux-ci vivent dans la prostitution, ils ont pour eux. Les autres font ceci dans le péché, ils ont pour eux. Moi, Seigneur, j'abandonne tout ça pour t'aimer. Tu as quoi pour moi? Comme quelqu'un avait demandé qu'il n'y a rien pour les pauvres, je ne vous dis pas la réponse qu'on lui avait donnée. Donc, c'est important. Donc, Pierre pose cette question. Et c'est la réponse de Jésus-Christ qui va m'intéresser. La Bible dit ceci. Hode Iesus eipen autois. Et Jésus leur répondit en disant, Amen, lego humin. En vérité, je vous le dis. Hoti emeis. Oi okolutesantes moi, pour vous qui m'avez suivi, ente palinge se, attendez, palinge nesia, pour vous qui m'avez suivi dans cette génération, hotan katise, ho uihios, tu anthropo, epi tronu, doxes autu. Lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, katesseste kai humeis, vous aussi, vous serez assis. Et puis, dodecatronos, sur 12 trônes, crinontes tas dodeca foulas, tout Israël. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors, Jésus dit que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Il répond à Pierre et aux 12. Il dit, vous qui m'avez suivi, vous qui avez tout abandonné pour me suivre, vous serez assis chacun sur un trône. Il y aura 12 trônes pour chacun de vous. Vous serez assis chacun sur ce trône et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Bon. Pierre a eu sa réponse. Moi maintenant, Seigneur, ma réponse c'est quoi? Me voici, j'ai tout laissé pour te suivre. Mon père m'a dit de choisir entre l'islam et le christianisme. Entre Muhammad et Jésus, j'ai choisi Jésus. Et voilà, j'ai connu beaucoup de souffrances dans ma vie, Seigneur. Juste par amour pour toi, tu me donnes quoi? Voici 2022, tu vas me donner quoi? Moi, j'ai mes besoins, j'ai mes problèmes. Seigneur, il faut nettoyer mes larmes. Écoutez bien, aimé. Laissez-moi écouter, c'est une prophétie. Je veux prophétiser maintenant. Dieu me dit de te dire qu'il va nettoyer les larmes de tes yeux. J'ai vu des mouchoirs blancs, des mouchoirs tout blancs.
Et le 31 décembre, tout le monde vient avec son mouchoir blanc. Achète un mouchoir blanc, bien-aimé, viens avec. C'est un signe prophétique. L'Éternel vient de me montrer la vision. L'Éternel m'a dit, ainsi m'a parlé l'Éternel, je nettoierai les larmes des yeux de tous ceux dont le cœur sera tout entier tourné vers moi. Dieu va nettoyer tes larmes en 2022. J'ai annoncé les choses, j'ai parlé, je parle encore de la part de l'Éternel. L'Éternel nettoiera les larmes de tes yeux sur tous les plans. Le plan professionnel, le plan spirituel, le plan ministériel pour les hommes de Dieu, le plan sentimental pour les célibataires ou pour ceux qui sont mariés, qui souffrent dans leur foyer. Dieu va, il y aura une rencontre puissante avec Dieu en 2022 dans la vie de tous ceux qui ont enduré. Dieu te donnera ta récompense. Comme il a dit à Abraham, ta récompense sera grande. Je vous dis la vérité, ta récompense sera grande. Quelqu'un dit Amen. Et cette prophétie va s'accomplir dans sa vie. Si tu dis Amen, tes enfants recevront leur récompense. Tes parents recevront leur récompense. Chacun dans ta maison recevra sa récompense. Et c'est pour cela que je te dis, ce dimanche ne manque sous aucun prétexte. Le Seigneur a une récompense pour toi. Il dit à Pierre qu'en fait, je ne vous ai jamais dit ça. Et vous devez savoir une chose. Il y a des réponses que Dieu ne te donnera jamais si tu n'as posé des questions. Supposons que Pierre n'avait pas posé cette question. Ils n'auraient jamais su ce qui était réservé pour eux, pour chacun d'entre eux. Donc, il y a des réponses que Dieu ne te donnera jamais et que tu ne connaîtras jamais si tu ne poses pas des questions. Tu gagnes quoi? Maintenant, l'apôtre, le Seigneur Jésus-Christ va parler aux 12 apôtres et il va leur dire quelque chose. Il leur dit que vous qui m'avez suivi, lorsque je serai établi sur le trône de ma gloire, chacun de vous, il y aura 12 trônes et chacun de vous s'assira sur son trône et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Bon, il y a un problème dedans. Je pense que vous avez vu le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsqu'on parle, on parle des 12 apôtres, lorsque nous parlons des 12 apôtres, parmi les 12 apôtres, la première promesse que Dieu leur a faite, que Jésus a faite, il leur parle d'abord ici, il dit qu'il y aura 12 trônes, chacun sera assis sur son trône. Donc, c'était un acquis. C'est une promesse de Dieu. Dieu ne ment point. Il a dit. Et parmi les 12, il y avait Judas Iscariot. Et après, dans Matthieu 28, le Seigneur Jésus-Christ dira, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est une prophétie internationale, une grâce internationale qui disait que tous les apôtres iraient par toutes les nations prêcher l'évangile et l'apôtre Jacques était parmi. Maintenant, dans le cadre de la première promesse que nous venons de voir ici, Jésus dit que les 12 apôtres, vous serez assis chacun sur son trône, sur les 12. Il parlait des 12 qu'il avait choisis et Judas Iscariot était là ce jour-là. Mais Judas Iscariot ne sera pas assis sur le trône. C'est ça le problème. Judas Iscariot a été éliminé. C'est une question que chacun doit se poser. Dieu leur a dit, les 12 ici, vous serez assis, chacun de vous sur son trône. Mais cette prophétie ne s'est pas accomplie dans la vie de Judas Iscariot. Pourquoi? Parce que Judas Iscariot a trahi le Seigneur, il a commercé avec Satan. Et puis, il a été disqualifié. La promesse ne peut plus s'accomplir dans sa vie. Pourtant, la promesse, la prophétie doit préserver celui qui reçoit la prophétie. C'est-à-dire quoi? Si Dieu me dit, ok, vous serez à 12, vous aurez 12 trônes, normalement, comme Dieu l'a dit, même s'il y a quoi dans ma vie, après ma mort, je dois être là-bas. Donc, même si le diable fait comment, il ne doit jamais réussir à me séduire, à m'empêcher de m'asseoir sur mon trône. Mais comment Judas Iscariot a-t-il perdu le trône? Lorsque Jésus a parlé des 12, il précise, vous les 12 qui m'avez suivi. Il dit, vous si. Attendez, je lis, il dit que Kai Umeis, Epi Dodeka Tronos, vous aussi serez assis sur trois trônes, Krinontes, Tas Dodeka, Foulas Tou Israël, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il dit, vous les 12 ici, et Judas était dedans. Dieu n'est pas non pour mentir, ni un fils pour se repentir, mais quand même, il faut se poser la question. Donc, on doit se poser la question. Comment Dieu peut-il donner la prophétie sur les 12, disant qu'ils vont s'asseoir sur 12 trônes et il y a un qui échoue, qui ne réussit pas? Parce que normalement, si Dieu te dit tu vas te marier, la grâce de la prophétie doit te préserver de tout ce qui peut t'empêcher de te marier jusqu'à ce que tu te maries. Si Dieu te dit, par exemple, je t'amènerai à l'autre bord, alors cette promesse, c'est elle qui te garde contre tes ennemis. Tu vas, prenons le cas de Moïse. Lorsque la parole est sortie sur Moïse, il sera sauvé des eaux. Alors, cette prophétie-là a fait que les crocodiles, les caïmans du Nil n'ont pas dévoré Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie qui disait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Donc, on peut multiplier des exemples comme cela. Il n'est pas mort. Par exemple, Jésus-Christ devait être mort sur la croix, devait mourir sur la croix. On l'a amené plusieurs fois au sommet de la montagne pour le précipiter. La Bible dit qu'il est passé parmi les gens, personne ne l'a touché. Et d'autres fois, on l'a pris pour le lapider.
sa prophétie ne disait pas qu'il allait être lapidé, mais qu'il allait être crucifié. Et la Bible dit que Jésus-Christ est passé entre eux, les gens se sont écartés. Et il est parti, pourquoi? Parce qu'en fait, la prophétie le préservait. Bon, maintenant, Jésus dit aux 12 que vous 12, si Judas est dedans. Mais Judas peut se fâcher, donc tu m'as trompé. Mais voici maintenant, moi je suis pendu comment? Comment ma part de récompense? Tu as dit que pour nous tous qui t'avons suivi la récompense, c'est que nous serons assis sur le trône. Au lieu du trône, moi ma part c'est ma gorge, je suis étranglé, je suis jugulé. Comment? Donc, c'est un problème. Et je vais répondre à cette question-là demain. Vous voyez. Donc, c'est un problème sérieux. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Si tu n'as jamais vécu ça, moi, j'ai déjà vécu ça. Dieu donne une promesse, elle ne s'accomplit pas. Mon ami, tu me poses des questions. Pourquoi est-ce que ça arrive? Maintenant, Jésus-Christ va dire quelque chose. Il dit que, il dit aux 12, il dit qu'allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc. Et vous savez que, en fait, lorsque Jésus-Christ le dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est une prophétie qui concerne encore les 12 apôtres. Ouais. Ça concerne les 12 apôtres, parmi lesquels il y a Jacques. L'apôtre Jacques, donc, après ce culte-là, certainement va rentrer dans sa famille, va dire, waouh, nous avons reçu une notion internationale. Nous irons prêcher l'évangile dans le monde entier. Le Seigneur nous l'a promis. On ira partout dans le monde entier. J'irai en bain. Oh là là, je veux prendre l'avion et j'irai. Mais le gars est mort sans monter le cheval pour sortir d'Israël. Il est mort sans sortir de son pays. Donc, mais comment Jésus leur a dit qu'ils iraient dans les nations pour prêcher l'évangile? Mais la prophétie ne s'est pas accomplie pour Jacques. Pourquoi sa prophétie ne s'est-elle pas accomplie? Est-ce que c'est Dieu qui était menteur? Quel était le problème de Jacques? On peut dire de Judas Iscariot, il a été disqualifié comme certains ont écrit en commentaire. Il a trahi son maître. Mais Jacques a fait quoi? Il a trahi Jésus en quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas vivre la promesse de Dieu? Comment la prophétie ne l'a-t-il pas préservée? Pour avoir la réponse à ces questions, par la grâce de Dieu, rendez-vous demain, dès qu'il sera 10h, sur cette même plateforme. Partage la vidéo, si c'est ta première fois d'être là ce matin, s'il te plaît, partage cette vidéo au maximum. C'est une question qui brûle dans nos cœurs. Pourquoi Dieu m'a promis telle chose, ce n'est pas arrivé? Pourquoi le malheur continue à me poursuivre pendant que Dieu m'a donné sa parole? Est-ce que ce n'était pas Dieu? Est-ce que c'était vraiment Dieu? Est-ce que c'est Dieu que j'ai entendu? Est-ce que ce n'était pas mon esprit? Est-ce que ce n'était pas mes émotions? Est-ce que ce n'est pas le diable qui m'a trompé? Beaucoup d'enfants de Dieu ont tellement de questions dans leur cœur, mais personne n'a l'occasion d'en parler. Sur cette plateforme, le Seigneur te donne l'occasion d'ouvrir ton cœur. Pose les questions à Dieu. Depuis que je te sers, Seigneur, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Ce n'est que la honte, ce n'est que la déception, ce n'est que le rejet. Les gens me persécutent, je suis abandonné, je suis dans les oubliettes, je suis dans la poubelle de l'humanité. Seigneur, quel est mon avenir? Voici 2022, dis-moi mon avenir, cache. Seigneur, l'année ci ne finit pas sans que tu m'aies positionné. Réponds-moi. Dis-moi ce que tu vas me donner. Dis-moi ce que tu dois faire. Seigneur, promets-moi quelque chose. Dis-moi n'importe quoi, mais il faut que tu me parles absolument. Donc, si vous avez cette soif, s'il vous plaît, ce dimanche à 7h30, à Yaoundé, ne manquez pas, à la Bire. Et puis, dimanche à 16h, tous les habitants de Bertois, passez l'annonce autour de vous. Et surtout, demain 10h, sois des nôtres. Et nous allons continuer à répondre. Et je sais que Dieu te parlera. Avant cette semaine, je veux prier pour vous. Le Seigneur nous parlera, à nous tous. Dieu nous dira une parole pour 2022. Et c'est cette parole qui dirigera notre année 2022. Tends ta main vers moi, touche ton écran de télé. Je prie pour tous les malades, tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés, que le Seigneur les guérisse. Père, je prie au nom souverain de Jésus. Par ta main forte, je prie pour tous mes bien-aimés, toutes mes bien-aimées qui me suivent en ce moment, qui ont des problèmes. Seigneur, sors-les de ces problèmes. Sois la solution à leurs problèmes, au nom de Jésus. Satan, libère leur vie, libère leur destinée, au nom puissant de Jésus. Toute personne malade, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit l'origine, Seigneur, pas moi, mais ta grâce dans ma vie. Que ces personnes reçoivent une guérison, quel que soit le pays où la personne me regarde. Quiconque attend un miracle, je prophétise qu'avant le coucher du soleil de ce jour, ce miracle viendra à toi. Dis amen. Ce miracle viendra à toi, au nom de Jésus. Dans ta carrière, dans tes finances, dans ta santé, dans ton mariage, tu as des problèmes dans ton foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Un miracle, Dieu tourne le cœur de ton mari ou de ta femme en ta faveur, Dieu le ramène et Dieu vous unit encore. Dans le nom précieux de Jésus, et je prophétise de nouvelles noces pour vous, des noces divines, au nom puissant de Jésus. Quiconque a des combats financiers, matériels, on a bloqué ton argent quelque part, on t'a arraché un bien qui t'appartient, je déclare qu'on te cherchera pour te remettre ce qui t'appartient. Personne en cette année ne traversera avec ce qui t'appartient dans le nom souverain de Jésus. Je bénis les commerçants, je bénis les hommes d'affaires, je bénis les travailleurs, j'ordonne à tous les malades de recevoir la guérison. Ceux qui sont dans les hôpitaux, qu'ils soient guéris, j'ordonne, lève-toi, prends ton drap, prends ton matelas,
prends ta valise au nom de Jésus-Christ, rentre chez toi parce que tu es libre, tu es guéri dans le nom précieux de Jésus. Ceux qui ont le diabète, j'ordonne la régulation du taux de sucre dans votre sang. Ceux qui ont le VIH, un miracle puissant est dans ta vie et tu reçois la guérison et ton test est négatif. Les hépatites, l'AVC, la paralysie, le cancer et toute autre maladie, les hémorroïdes, etc. Toutes ces maladies maléfiques envoyées dans ta vie, les possessions, les couches de nuit, les poisons de nuit, les cauchemars dans la nuit, je dis que celui qui t'oppresse la nuit, je l'opprime, je l'oppresse dans le nom de Jésus. Que l'oppression de ta vie retourne sur ton oppresseur et que l'Éternel soit ta délivrance, ta haute retraite et ta bannière. Je déclare qu'aucun mal ne t'atteindra. La mort précoce ne sera pas ton partage et la pauvreté ne sera pas ton partage. La malchance quitte ta vie au nom de Jésus. Et je déclare et je prie et je prophétise dans le nom précieux de Jésus. Toute incantation faite contre ta vie retourne à l'expéditeur. Toute arme forgée contre toi retourne contre son propriétaire. Tout rassemblement conspirationnel contre ta vie, qu'il soit dispersé au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Je déclare sur 2022, Dieu te bénira en 2022. L'Éternel t'élèvera, il t'élèvera encore et encore, au-delà de tes attentes, au-delà de ton espérance, au-delà de ce que tu as demandé et pensé. Au nom puissant et souverain de Jésus, je déclare que tu seras un sujet de gloire dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. La honte quitte ta vie. On s'est longtemps moqué de toi. On t'a rejeté. On a dit du mal de toi. Mais en 2022, ils te chercheront. Ils te chercheront. Ils te chercheront. Ils te chercheront. Ils reviendront vers toi à cause de la gloire que je vois dans ta vie. La honte ne durera pas toujours. La déception ne durera pas toujours. Le rejet ne durera pas toujours. L'Éternel te bénira. Il remplira dans ta main gauche de l'or. Il remplira ta main droite de diamants, des richesses de la terre. Les richesses des rois viendront vers toi. Les richesses des nations viendront vers toi. Tu têteras à la mamelle des rois dans le nom puissant et souverain de Jésus. Je prie que Dieu soumette tes ennemis à tes pieds, qu'il soumette tes ennemis sur tes pieds au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur ton année 2022. Tes ennemis deviendront ton marchepied. Ceux qui t'ont méprisé hier à cause de ta condition, ceux qui se moquaient de toi à cause de ta situation, ne t'atteindront même pas à la cheville dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel. Que l'élévation qui vient de Dieu soit ton partage. Dis Amen et cette prophétie s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. L'Éternel sera ta préservation. Il te gardera. Il te protégera contre la mort précoce. Il préservera ta vie contre les maladies. Il préservera ta vie contre les plans de tes ennemis. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Ainsi parle l'Éternel, tu ne seras point atteint. Renouvelle ta confiance en l'Éternel, car l'Éternel sera ton bouclier. Il sera le gardien de ta vie, le pourvoyeur de ta vie. Tu toucheras et ça prospérera. Ta main gauche touchera et ça prospérera. Ta main droite touchera et ça prospérera. Tout sorcier dans ta famille sera exposé. Il ne te résistera pas. Ils ne te regarderont pas en face à cause de la gloire de l'Éternel sur ton visage. Ils ont mis sur ta face un tissu de honte, un tissu de rejet, un tissu de blocage. L'Éternel déchire ce tissu. Il met sur ta face un diadème de gloire. Ils ne seront pas capables de te regarder dans les yeux parce que l'Éternel, ton Dieu, s'élèvera. Il défendra ta cause. Il rendra glorieuse ta vie et ta cause. L'Éternel te bénisse. L'Éternel te multiplie à l'extrême. Toute femme stérile qui me regarde, au nom de Jésus, l'Éternel bénit tes entrailles. Et je déclare et je prophétise, des princes et des princesses seront issus de tes entrailles. Tu ne mourras point dans la stérilité, au nom de Jésus. Je prie pour une femme qui est rejetée par son mari. Cette année ne finira pas que l'Éternel n'ait ramené le cœur de ton mari vers toi. Selon ce qui est écrit dans Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. La faveur est sur toi. La faveur est sur toi. La prospérité est ton partage. La santé divine. Toute maladie dans ton corps meurt. Elle ne traverse pas en 2022. Je te vois comme une nouvelle création. Un kahin ekitisis. Et la gloire de Dieu sera ta richesse et ton bonheur. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, tu dis Amen 3 fois et c'est scellé. Rendez-vous demain dès 10h pour des paroles de prophétie. Tout ce dont tu as besoin, c'est une parole ointe, une parole consacrée à Dieu pour ta vie, une parole puissante pour briser les autels de sorcellerie, de blocage,
dans ta vie. J'attends quelqu'un qui me suivra demain à 10h. J'attends quelqu'un qui dira à sa famille, venez, connectons-nous. Il y aura des paroles de puissance et de délivrance pour libérer nos familles des chaînes et de la servitude à la pauvreté, la servitude au célibat, à la mendicité, au chômage, à la maladie, à la mort précoce, à la sorcellerie. Tu ne peux pas être esclave de la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'Éternel met un terme à l'oppression de Satan dans ta vie. Que Dieu t'affranchisse, que Dieu te libère, que Dieu fasse de toi la plate tournante de ta famille. Je prophétise, toute personne qui est connectée, toute personne qui m'écoute, écoutez bien la parole de l'Éternel. L'Éternel fait de toi, c'est-à-dire le carrefour de ta famille, c'est-à-dire la plate tournante de ta famille. Rien ne se fera sans toi dans ta famille. Rien ne se passera sans toi dans ta famille. Si tu crois que je suis un homme de Dieu, dis amen. Parce que cette prophétie 2022, l'Éternel nettoiera les larmes de vos yeux. L'Éternel te lèvera. Rien ne se fera sans toi. La fête a été arrêtée à cause de David. Tout sera arrêté, sauf si tu es là. Tant que tu n'es pas là, rien n'avancera dans ta famille. Au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth, dis amen trois fois et c'est scellé. Amen, amen, amen. C'est scellé. Rendez-vous demain. Dès qu'il sera 10h, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.